Salut à tous, c'est Wofi. Aujourd'hui, on se retrouve sur South Park, l'anal du destin, un jeu que j'attendais depuis des mois. Vous le savez sans doute, le jeu n'a pas sa VF, mais on va faire ce premier épisode en français pour une simplicité au niveau de l'histoire. Mais si vous voulez, on repassera en VO. Allez, c'est parti, on commence tout de suite, je peux plus attendre. Jouer, nouvelle partie, let's go baby! Qu'est-il advenu de cette ville? Avant, on y respectait les lois. La justice, c'est terminé. La criminalité est galopante, les chats disparaissent, les habitants de South Park se font persécuter. Non mais, t'as un sacré toupet, petit! Qu'est-ce qui te prend? Oh, oh! On était censé protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Barre-toi de ma voiture, petit morveux! Aujourd'hui, les super-héros sont divisés par leurs différences politiques. Nous sommes deux camps qui s'affrontent. Mais la guerre ne sauvera pas notre ville. Le voyage temporel est mon seul espoir désormais. Les mythes parlent de temps immémoriaux. D'une époque où un nouveau roi parvint à unir un royaume se disputant un puissant bâton. Bonjour, trésor. Ta gueule, maman! Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois retourner en arrière, trouver un moyen de changer le présent et sauver ce chat. Et ainsi, je pourrai peut-être changer le passé, notre passé à tous. Putain, en vrai, ça me fait grave chier là de pas avoir les vraies voix, putain. Ils nous ont laté les couilles. Les morts attaquent. Il en vient de tous les côtés. Ne les laissez pas atteindre notre base. Trop tard, ils ont pris Copacrip. Les amis, ils ont envahi la base. Il faut les arrêter. Mort aux morts. Leur armure est trop solide. Ils portent des casques de vélo. Où est le roi? Le roi, c'est nous. On est en train de chier. Ah putain, concentre ta puissance. What the fuck? Maître de la grosse com. Qu'il se soit fait des amis aussi vite. Nous sommes venus ici pour nous cacher. Plus d'amis égale plus d'ennuis. Tu deviens parano. Décroche plutôt de ce truc, je commence à ne plus te reconnaître. Lâche-moi un peu. C'est le seul truc qui me détend et me permet d'oublier toutes tes conneries. Tiens, coucou, toi. Ah, tu es là? J'avais pas vu. Tes amis sont en bas. Sors t'amuser. Alors, qu'est-ce qu'il a regardé? Hey, regarde, t'as apporté une serviette. Eh hey mec, je suis Servietsky, ton copain de jeu. De temps en temps, je te donnerai des tuyaux parce que, eh ben, tout le monde aime les tuyaux, pas vrai? Bon, allez, à plus tard. Hop. Petit poisson rouge. On a débloqué pas mal de trucs là, c'est pas mal. Majesté, les immondes morts tentent de prendre Koopakeep. Vous devez venir vous battre, Majesté, vous êtes notre seul espoir. Majesté. Allez, putain. C'est parti. Quoi? Tu viens juste d'arriver en ville et c'est toi le roi? Le roi des baltringues, ouais. Éclatez-lui la face à ce mort, sire. Oh. Avantage au combat. Allez, le roi! Donnez-leur une bonne correction, sire! Écl-
éclatez-les, sire. Appuyez sur X pour sélectionner ton pouvoir. Ok. Appuyez sur A pour utiliser ton pouvoir. Ok, bah donc on va... Combo repousse. Les pouvoirs dotés de repousse peuvent causer des dégâts supplémentaires en envoyant les ennemis bouler sur d'autres ennemis. Ok. Je n'ai pas peur de toi et de tes combos royaux stratégiques. Oh la vache. Allez, cette fois vous les écrasez, sire. Ok, hop. On ne peut pas l'arrêter. Préparez les gardes de la cour noire. Waouh, vous avez vu ça? Le roi est incroyable. Ses pouvoirs sont sans pareil. Tu ne peux pas tous nous battre. Ouais, rentre chez ta mère. Les écoutez pas, sire. Cassez-leur la tête. Non, on se bat en 1 contre 3 là? Ouais, ils sont sérieux. Attaquer des ennemis en premier accorde davantage de combat, ce qui donne droit de commencer. Ok. Pour avoir l'ordre complet de tour de combat, consultez la chronologie en bas à droite de l'écran. Vous ne... C'est quoi ce merdier? Normalement, c'est à moi de commencer. Eh non, ça fait partie des privilèges du roi, c'est lui qui commence. Du coup, si on se met là... Bon, allez, c'est toi qui commence. Alors, bouge-toi le cul. Ah, écrasez-le, sire. Oh, grand Dieu. T'inquiète, ce sont les méchants. Ah, ouais. Allez, le roi. Les morts ne craignent pas la mort. Enfin, je préférais l'ancien système de combat, par contre. Je suis pas trop fan, là, pour le moment, de ce système avec des cases. Écartez-vous ou périssez. Nous devons franchir cette porte. Impossible. Ah bon, et pourquoi? Car la lave vous barre le chemin. Oh, vas-y. Tout ça, c'est de la lave? Ouais, de là jusqu'à là, c'est de la lave. On peut pas la franchir. Merde! Allez, à l'assaut. Impossible. Ils disent que la lave nous barre l'accès à la porte. Ah, c'est pas juste. Qu'en faut-il faire, Majesté? Qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez! Lâchez le dragon! T'es mal, ils ont sorti le dragon! Attaquez! On y est baisé! Mais non, notre roi va s'en charger! C'est le grognement du dragon! Il est super vénère! Justice en attaque! Oh merde! Pourfendeur de dragon. King Douchebag. Oh mon dieu, il a vaincu le dragon. J'y crois pas. Ce gosse est surhumain. Waouh, vous avez vu ça? Le roi est incroyable. T'as mis... Waouh, vous avez vu ça? Le roi donjon. Waouh, le roi connard est un super guerrier. Vous avez vu comment il a déplacé cette échelle et s'en est servi pour grimper? C'est vraiment le monarque le plus puissant de tous les royaumes. Oh putain, il est incroyable. Je croyais que le roi allait faire un super saut, mais en fait, il a fait ça. Qu'est-il arrivé au bâton de la vérité? Le mage l'a fait jeter dans l'océan. M'enfonce! Tu vas subir la colère des maures. Lâchez-le, païen! Libérez le barde ou vous devrez en répondre à sa majesté. Le roi? On raconte qu'il peut pourfendre un dragon d'un seul coup. C'est exact. Et si vous le... Une minute. Où est le mage? Je croyais qu'il était avec vous, les mecs. Non, on a reçu un signal de détresse nous convoquant ici. Le mage a disparu. Je suis le Khôn, et je viens du futur.
Mec, on a dit qu'on jouait plus à ça. Ouais, on est tous divisés, ça sert à rien. Justement! À mon époque, on subit une vague de criminalité et des chats disparaissent. Il ne me restait qu'un seul espoir, réunir l'équipe. Hé, tu peux pas s'en être deux comme ça, où est le bâton de la vérité? La ferme, Kevin! Il s'agit pas d'un stupide bâton. Un chat est en danger et c'est la clé pour démanteler le syndicat du crime qui s'est installé en ville. Dans l'avenir. Un syndicat du crime? Ça a l'air d'une affaire trop grosse pour le coup des sabords. Tu veux quoi, Clyde? Que ces connards de potes de la liberté retrouvent le chat? Qu'ils empochent les $100 de récompense et qu'ils rendent leur franchise de super-héros plus populaire? J'emmerde les potes de la liberté. Exactement. Mon ange, j'entends une forte sonnerie en provenance de ta salle de jeu au sous-sol. L'alerte! Allez les mecs, rassemblez vos affaires et rendez-vous au repère du cool, dans le futur. Cool et sa bande, rassemblement! Désolé les gars, vous pouvez pas jouer avec nous, on joue au super-héros, pas au boloss. J'aime bien, là on a un peu l'air con là. Coupa Kip. Oh, bonjour. Les garçons s'amusent au sous-sol dans leur petite salle de jeu. On dirait que tout ce qui a une poignée en or peut être ouvert. Essaye. Patrice Rilcoon. Mais on a envie de fouiller avant de le rejoindre en bas, quoi. T'as le t-shirt du Coon. Il y a pas mal de trucs là. Attends, non, c'est pas ça. Hop. Nul. Bon Christmas ID 2017. Batersky. D'accord. Code K, fucking. Ok, ça je pense que ça pourrait être utile plus tard. C'est un élément clé. Ça veut peut-être dire que c'est important. Lave devant ma porte. Non, ce n'est pas chaud, mais... Mon fils m'a dit que je finirais brûlée vive si j'essayais de la franchir. Oh oui, il m'a dit que si je marchais dedans, ça me porterait malheur. Ce n'est pas le cas. Oui, il y a une petite désynchro là. Interagir. Alors, c'était Nick ta mère. Nick. Ta... Mère. Peut-être qu'on devrait aller voir Oreza si les serveuses savent quelque chose. Ça ne suffira pas, le moustique. Il faut agir vite avant que les potes de la liberté nous prennent de court. $5 de récompense. Tu sais ce que ça pourrait représenter pour notre franchise de super-héros? Il a l'air vieux, ce chat. Peut-être qu'il est mort dans une gouttière, et c'est tout. Homme cerf-volant, dois-je te rappeler qu'à partir de maintenant, les potes de la liberté comptent 100 followers sur Instagram? On en a 6. Nous 5 et Billy Turner. Et il est roux, en plus. Il n'y a que comme ça qu'on pourra battre ces enfoirés. Mais où chercher? Ce chat pourrait être n'importe où. Il faut se séparer. Le moustique, envole-toi et va voir tous les parcs de la ville. Compris. Le moustique décolle. Homme cerf-volant, regarde si le chat n'est pas coincé dans un arbre. Super Craig, tu prends les conduites d'évacuation. Super Craig. C'est là qu'intervient ta vitesse surhumaine, Quickie. File au bureau du maire et dis-leur qu'on est sur le coup. Allons-y, Le Coon et sa bande. D'accord. Top bad guys. On va voir avec le Coon. Super Craig, ici le Coon. Tu me reçois? Super Craig, t'es où, bordel? Je répète, t'es où, bordel, Super Craig? Oh putain de merde, le système de sécurité déconne ou quoi? Les citoyens ordinaires n'ont pas le droit de pénétrer dans le repère du Coon. On joue au super-héros maintenant, et t'es pas un super-héros, le nouveau. Alors dégage. Pff,
Bon, ok, tu peux nous regarder jouer aux super-héros, tant que tu ne nous déranges pas. Et rends-toi utile, file-moi le staff Ernizi, il est par là. Alors, rentrer en mode inspection. Mais sérieux, t'arrives pas à trouver le staff Ernizi? Nous, les super-héros, on utilise le mode inspection. C'est quoi le staff Ernizi là? Pun Store. Ça, c'est un amplificateur d'artefacts biométriques. Tu saurais même pas quoi en faire. Ça doit être ça. Eh ben, il t'en a fallu du temps. C'est à faire des actifs. Tu veux devenir un véritable super-héros, hein? Jouer dans la cour des grands. Peut-être que tu pourrais te rendre utile. Assieds-toi à la table, connard. Voyons voir, les NSA du moustique. La vache. C'est du langage humain, ça? Alors, pour jouer au super-héros, il faut que tu te crées un personnage de super-héros. Ensuite, tu pourras remplir ta fiche personnage sur Instagram. T'as bien une page Instagram? Oh, j'y crois pas, t'es même pas sur Instagram. Oh, bon, je vais t'en créer une. On se fout de ma gueule, là. Alors, Donc, la première chose à renseigner sur ta fiche de perso, c'est ta classe. Genre, quel genre de super-héros es-tu? Comme t'es un noob, je vais te laisser le choix entre trois options pour l'instant. Alors, Speedster. Les lois de physique ne sont pas que du vent. Brutaliste. Brutaliste, ok. Exploseur. Je partirais bien sur Exploseur. Un exploseur, doué de pouvoir à distance, comme Cyclope. C'est un grand moment pour toi, tu dois être super excité. Un brutaliste, tout dans les muscles, rien dans la tête. Excellent choix pour toi. Ok. Un speedster comme Flash ou Quicksilver. Non, je prends très bien Exploseur. C'est parti, on va choisir Exploseur. D'accord, connard, mais d'abord, on doit déterminer le trauma qui a fait basculer ta vie. Tu vois, connard, tous les super-héros ont des origines marquantes. C'est de ces origines que leurs pouvoirs prennent tout leur sens. Revenons sur ton enfance. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Comme bien d'autres nuits, tu n'arrives pas à dormir car tu te sais différent des autres. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans la glace et tu te sens seul. Et c'est là que tout chavire. Un bruit. Tu jurerais que ta mère appelle à l'aide. Tu sors de ta chambre. Là, dans le couloir, tu aperçois deux intrus devant la porte de tes parents. Il faut les empêcher de nuire. Tu sais que tu peux les arrêter. C'est alors que pour la première fois, tu fais appel à tes pouvoirs d'exploseur. Un authentique héros exploseur, tu entres en surchauffe car le feu s'est allumé dans ton ventre. Tu infliges sans tarder d'atroces brûlures aux méchants qui te font face. Tu grilles le méchant! Alors que s'estompent les flammes, les intrus comprennent à qui ils sont affaire. Merde, ce petit flambeur ne rigole pas! Ta mère ne t'a pas dit de pas jouer avec le feu? Les intrus passent à l'attaque! Tu ne nous as pas laissé le choix, petit. Alors que les ennemis approchent, tu te dégages en les repoussant! Mais les intrus n'aiment pas se faire bousculer.
Hey, t'as pas le droit de nous bousculer comme ça. Ils étaient loin de se douter qu'ils se condamnaient eux-mêmes. Quelle portée! Je vais rester sur le côté. Son camarade hors de combat, le gros moche approche. T'es moins bouillant, hein, petit flambeur? Ouais, on l'a bien calmé. Tu as été grièvement blessé, mais les coups des intrus n'ont fait qu'attiser les flammes qui brûlent en toi. Tu encaisses la douleur et tu lances ton attaque ultime. Et tu en viens finalement à bout. Tout semble rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que tu arrives à la porte de tes parents. Ce que tu vas voir en ouvrant la porte va changer ta vie à jamais et te pousser à combattre le crime. Mais il est trop tard. En ouvrant la porte, tu vois ton père baiser ta mère. Waouh, c'est un récit quasi insoutenable. Tu combats le crime car tu n'as jamais pu oublier la nuit où tu es arrivé trop tard, où tu as vu ton propre père, l'homme en qui tu avais confiance, baiser ta mère. C'est comme une faille irréparable dans le temps, n'est-ce pas? Bon, maintenant que t'es un super-héros, j'ai une mission pour toi. Va en ville et essaie de récupérer le plus de followers possible sur Instagram. C'est la seule solution pour que notre franchise survive. Ok. Assure-toi un max de followers sur Instagram et peut-être qu'on te laissera jouer avec nous. Gagne des followers en convaincant les gens de prendre des selfies avec toi. Maintiens LT pour trouver des gens avec qui prendre des selfies. Pour demander un selfie à quelqu'un, va le voir et appuie sur RB. Un selfie? Oh oui, j'en ai entendu parler. Instagram. Youpi! Oh, formidable, je te verrai sur Instagram. Madame Farnicle est maintenant une follower. Suivez. Seuls les gens qui prennent des selfies avec toi vont te suivre. Essaye pour voir les gens qui te suivent. Ok. Instagram, c'est super fun. Vas-y de temps en temps. Il te faut plus de followers pour que je prenne un selfie avec toi. T'es moi, il me respecte. Hop. Pour la peine, je te pète dessus, mon gars. Il te faut plus de followers pour que je prenne un selfie avec toi. Le nouveau, on dirait que tu as atteint les limites de l'univers connu. Au-delà, ce sont les limites du temps et de l'espace. Mec, fais okay. Tour, c'est ça que j'essayais de te dire. Ah. Il me respecte. Hein? Pas maintenant, le nouveau. Je suis occupé, mec. J'arrive pas à ouvrir cette boîte aux lettres. Hey, je suis juste un fonctionnaire qui fait son taf, gamin. Vas-y, je vais te la... Oh, oh, t'as réussi à l'ouvrir. Tu fais honneur au super-héros, mon petit. Un selfie, bien sûr, gamin, avec plaisir. Youpi! Ok, cool.
Qui ferait une chose pareille? C'est tellement nul! Hé, toi, tu saurais pas quelque chose? Quelqu'un raille la voiture de ma femme la nuit. Ça arrive toutes les nuits. Au début, je pensais que c'était l'un d'entre vous, mais bon. Viens jeter un œil. Celui qui raille la voiture laisse aussi des messages. Je crains que ce ne soit un amant éconduit ou autre. Tu m'oublieras pas aussi facilement. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je vais tout cafeter, salope. Écoute, j'en ai marre de devoir gérer cette merde. Si t'arrives à choper le coupable, je te suivrai sur Instagram. Fais-moi confiance, j'en vaux la peine. Je suis quelqu'un qui compte grave dans cette ville. Découvrez qui raye la voiture de Randy. Mon chien Patches et sa bouteille pleine de bave me manquent. Patches, il m'aurait donné des préservatifs, lui. Ton grand-père rajeunit pas, Billy. J'ai besoin de capote. Salut, bouffon. Au revoir, bouffon. Pas question, connard. T'es loin d'avoir assez de followers. Faut que je protège mon hashtag. Faut que je protège mon hashtag. Fiche perso de boîte à outils. Là, on est dans la chambre de Stan. Ah, je vois que tu as trouvé le palais dans les nuages. La base opérationnelle de l'homme cerf-volant. Peut-être que tu le trouveras à l'intérieur. Qui, toi, bordel? Non, mais sérieux? Tu m'envoies un noob après mon signal de détresse? T'es un vrai connard, le Coon! Désolé, gamin, mais j'ai un problème bien trop important pour un débutant. Il y a quelques jours, une anomalie s'est produite dans l'univers. Une autre version de moi. L'homme cerf-volant d'un autre univers s'est pointé ici. Il détruit tout, il est dans ma chambre et rien ne peut l'arrêter. L'homme cerf-volant d'un autre univers se trouve derrière cette porte. Je peux pas le combattre, pour des raisons évidentes. T'imagines bien. Distorsion d'univers parallèle et tout le toutim. Alors c'est toi qui vas t'en charger. Tu dois lui botter le cul pour qu'il retourne chez lui. T'as compris? Chope-le. Me revoilà. C'est qui ton copain? Il est venu jouer avec nous? Bon, moi d'un autre univers, il est temps pour toi de repartir d'où tu viens. Ben quoi, Kyle, on est une équipe, je te rappelle. Je suis pas d'un autre univers, on est des super potes. Comme tu peux le constater, c'est lui qui entache la réputation de l'homme cerf-volant. Il a été envoyé ici pour me détruire et saper mes pouvoirs. Non, non, je suis venu passer 2 semaines avec mon cousin et j'ai voulu jouer au super-héros. Alors il a dit, ok, tu vas être lequel? J'ai dit, l'homme cerf-volant. Et il a dit, tu peux pas être cerf-volant parce que c'est moi. Alors j'ai dit, pourquoi on serait pas l'homme cerf-volant tous les deux? Et je suis allé voir Tanchella et je lui ai tout raconté. Et elle a dit qu'elle devait faire comme je voulais parce que c'est lui qui invite. Tu te rappelles? Je suis désolé, moi, d'un autre univers. Mais il est temps que t'apprennes que jouer au super-héros, ça fait mal. Le nouveau, tu dois détruire mon alter-ego, maintenant. Oh, seigneur, on va se battre. Eh oui, mec, si tu veux jouer, alors c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah d'accord. Si ça peut me rapprocher de mon cousin, prépare-toi à combattre à Vorton. Let's go. J'ai jamais fait beaucoup d'entraînement. C'est un truc sans contact. Full contact, pas d'entraînement. Alors j'ai peur de devoir refuser, je n'ai pas mes protections. Oh, pas question! Chope-le, le nouveau! Cousin Kyle, on peut les battre si on unit nos forces. Ouais, j'aimerais bien, mais les règles des univers parallèles sont contre. Ouf! Hey, attention, abîme pas mes lunettes! Eh ben, faut prendre des tas de décisions dans ce jeu. Tu pouvais pas jouer! T'aurais pu prendre cette décision-là! Oh, dis pas de bêtises! Oh les mecs, t'en mords, je commence à avoir des vertiges. Ah seigneur, vas-y à fond. Ok, le liquide de mon oreille interne s'est stabilisé. Le dernier coup comptait pas, hein. J'étais dans les vapes. Ah. Un grand classique des conneries d'univers parallèle. Quelqu'un aurait de l'hydrocortisone en train, sur ordonnance de préférence. Une seconde, j'ai besoin d'un temps mort pour utiliser mon inhalateur. Alors, élimine les effets négatifs, reconstitue la quantité minimale, on s'en fiche.
Putain, j'ai mal joué. Cousin Kyle, j'ai demandé un temps mort et il n'a pas écouté. Tu sais que mon asthme revient dès que je fais de l'exercice. Ouais, je crois que ce serait plus juste si j'avais un bouclier ou un truc comme ça. En l'occurrence, ce sphère thorac a aussi une grande valeur sentimentale. Mec, l'homme cerf-volant est un extraterrestre. C'est pas des trucs juifs. Et tu peux pas inventer des pouvoirs en plein milieu d'un combat. Je n'invente rien, c'est tout à fait légitime dans mon autre univers. Ah, phew. Putain, il se met de la protection, il est chaud, hein. J'ai jamais dit de pas jouer avec le feu. Regarde ce que t'as fait. Attends, je pense que ça devrait être mon tour, pas celui du nouveau, parce qu'il a pas attendu tout à l'heure quand j'ai demandé une pause, donc je pense que ça devrait être à moi. Tu plaisantes? C'est carrément de la triche! Oh mince, je pensais pas que je te frapperais vraiment. Hé, un bordel! Très bien, c'est parti pour mon super pouvoir ultime. Prépare-toi, t'es prêt? Oh, putain! Ok, colère du cerf-volant d'un autre univers. Il fait la merde. Ah! Ah, mon Dieu! Je crois que j'ai rompu mon hernie. T'en as assez de mon moi alternatif? Ouais, ce truc de super-héros, ça fait un mal de chien. Je ferais mieux de regagner mon univers. Oh, tu t'en vas? Ça craint. Ouais, je vais regagner mon univers, homme cerf-volant. Il me faut du campophénique pour mon oreille. J'ai récolté une égratignure en me faisant péter dessus. Mec, je sais pas comment te remercier, mais désormais, compte sur moi si t'as besoin d'aide. Yes. Vas-y, on fait un selfie. Ouais, on y est. Youpi! Chouette! J'en ai pour un bon moment! Ok.